Semaine de boulot, épisode 9, soyez pas hop. Mon gâté. Mon gâté, ça va ou quoi? Tranquille, hein. T'es en forme là? Toujours. Là, il fait beau là, ça fait du bien. C'est d'art. Mais c'est quoi ça? Je sais même pas, je me suis réveillé, j'ai eu un cadeau, surprise. Cadeau, et Père Noël, il est passé. Au début, j'avais même pas vu. C'est quand je t'ai rencontré, je tournais, je voudrais dans le rétro. Bah, j'ai vu, j'ai dit, oh, il est tout sec le truc. Bon, la semaine dernière, dans l'épisode précédent, il s'est passé quoi? 2-2, déplacement compliqué à Rapperswil, ouais. Sur un terrain très très compliqué. Est-ce qu'on a pu faire une conduite de balle? Non, hein, c'était compliqué. Bref, on a pris un but en revenant du vestiaire. On a su égaliser par Thibaut Jacquel qui croit qu'il a mis un but de fou alors qu'il a fait un centre raté. Tu peux le dire ça. Ensuite, on a pris un pénalty. Bon, alors je sais toujours pas s'il y a faute. J'ai regardé les vidéos. Rien du tout. Je pense même que c'est l'attaquant qui faute, mais bref, pas grave. Et on revient 2-2 à la 90e. Donc ça fait plaisir. Hop là. Je veux mon ref. C'est un truc de ouf ça. Je suis d'accord avec toi, c'est un truc de cul. Bref, aujourd'hui, il y aura le tirage au sort. On va dire samedi seulement qui a gagné parce que la vidéo elle sort jeudi, donc ça veut dire on pourra pas la capter. Non, la semaine dernière aussi, il s'est passé quelque chose aussi. Je sais pas si t'es au courant, je pense que t'es au courant. La B aussi a gagné contre qui? Étanche Grande. Étanche Grande, exactement. Étanche qui est un concurrent direct pour du coup pour la montée en R1. Donc, ils étaient deuxième. Ouais, ils étaient deux ou troisième. Ils sont Val-de-Lorne, Étanche et Thionville sont côte à côte quoi. Donc non, c'est cool. En plus, c'est un doublé de Steve de la haine et on m'a dit qu'il a fait des dingueries. Bon, déjà, il a mis un but de fou. On va l'afficher directement. Il a fait des pompes. Et on m'a dit qu'il a fait des dingueries. On va aller le voir directement dans le vestiaire parce que c'est un truc de fou à ce qu'il paraît ce qu'il a fait. Et je vais récupérer les vidéos aussi. Il a la vidéo dans son téléphone. Mais moi aussi, je l'ai. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, cette semaine on joue Sarrebourg chez nous sur un bon terrain. Parce que là gros franchement, on va demander au défenseur de Sarrebourg directement. On va lui dire c'est ouais, parce que c'est une dinguerie. Parce que on va à l'entraînement lundi. C'est pas il y a un joueur de Sarrebourg avec la B qui s'entraîne. Et en plus il me dit quoi, ouais ce week-end je joue contre vous. C'est un agent infiltré ou voilà. Là on va se retrouver directement dans les vestiaires pour retrouver le flop de la semaine dernière. Pignatone qui va nous présenter l'entraînement du coup. Cette semaine on a encore un nouveau. Ah oui, il y a encore un nouveau. Et là tu te rends compte, Pignatone quand même, il fait son retour. Il va dans le. Comment dire? Il fait son retour directement cérémonie du flop. Et en plus de ça, le week-end. Les gens qui ont voté pour lui. Hein. Ah, exactement. Oh, attends, regarde-moi, il y a qui. Regardez-moi, il y a qui. Attends, moi je sors. Laisse-moi sortir, Ibrahim. Laisse-moi, je t'en supplie. Là je sors carrément. Wesh, je vais partir. Vas-y wesh. Ah là, je suis obligé de sortir. Le plus fou. Oh frérot, je viens de recevoir des vidéos de ta célébration de Guedin. Tu peux nous expliquer ou pas? Oh, mais c'est quand on met des buts spéciales, tu vois. Ah, tu nous as régalé encore une fois. Quand il y a du monde au stade, il nous a encore régalé. Oh, Soulja, ça va ou quoi, mon gâté? Il me dit Soulja, vas-y. Ça va, mon gâté, tranquille. Ils connaissent maintenant Soulja, ils savent c'est qui. Ouais, t'as reçu quoi? Frère, j'ai reçu la vidéo des pompes. Je suis avec Jamelna. Il y avait James qui est venu au match, James le fou, qui lui aussi a marqué ce week-end en plus. Tu sais pourquoi il a marqué lui? Parce qu'il avait mes protège Shiba. Tu protèges Shiba personnalisé. Et toi tu veux pas prendre mes protèges Shiba? Ouais, j'espère bien. Et une VS Sport, comme ça il marquera, il fera des pompes avec les protèges. Il fera. En plus ça se protège. À 19h, il fait trop beau gros, ça fait plaisir ou pas? Il va de la cahier. Ouais. Il va de la cahier. Ça fait plaisir. Oui. Ça va? Oh les gâtés! Ça va ou quoi? Comment ça s'est passé le match de la semaine dernière? On peut résumer ton match par deux actions. Vas-y.
Je l'ai vu ou pas? Il a fait... Et toi, alors toi, ton match, il était incroyable. Spé gelon et spé tête. Hein. Toi aussi, toi, t'as fait un spé tête aussi. Moi, j'ai pris... J'ai fait un spé... comment on appelle ça? Commotion cérébrale. 3 minutes KO. Mais c'était... Bien joué! Mathé, commande. Félicitations, commande. Fais la pub. Félicitations, les oranges. Dis merci, t'inquiète, tu sais qui. Merci, NVS66. NVS Sport, les gars, allez suivre. Oh, flop de la semaine. Donne des sous, justement. Flop de la semaine. Viens là. Faut que tu présentes la. Pour faire une entrée ce soir. Faut que tu présentes la séance. Dans 3 heures, venez, il y a les nouveaux nominés. C'est moi qui choisirai. Vas-y, mais viens présenter la séance. Tu dois présenter la séance d'abord. Il comprend pas, lui, ça. T'es contre moi déjà. Mais regarde qui est sur moi. J'ai Baradji. Si je le mets dans ma poche aujourd'hui. On n'a pas de nouveau flop de la semaine. Ça devrait pas. Déjà, je suis avec toi déjà ou pas? Non, toi t'es là. Je suis contre toi là? Ouais. Voilà, il y a déjà des gens qui sont sur si les flops là. Ouh, déjà. Si là. Ouais, c'est vrai que t'es pas avec moi. Vu donc que je suis là, je pense que Ibra déjà il va être dans les flops. Mais. Ibra, oh, les deux Ibra la paix. Attention, toi t'as Pignatone sur toi. Attention de pas être dans le flop encore une fois, ça fait deux fois de suite. Toi, c'est ta clé sur toi? Toi. Il m'a moi. Oh, combien le pourcentage de chances qu'ils finissent dans le flop? Franchement, 4 et 4. Je vais le mettre dans ma poche. Regarde, mais t'as des belles paires. Belles paires. On va voir c'est qui va être dans la poche de qui. Vas-y, on verra ça. Bon là j'ai pas eu le brassard. C'est pas que trop gentil. Yeah. Attention Mika. Bonsoir. Good evening. ce soir, soirée exceptionnelle pour nominer exceptionnel. Attention, il y a des grosses surprises. Parce qu'on a essayé de me soudoyer, mais. Non. Alors, ce soir, premier nominé, du Milano, Nicolas Caloiero. Deuxième nominé, le youtubeur Juan Zoncaro. La frappe écrasée. Vas-y, je vais me voter moi alors. Donc, on va commencer par le petit jeune Nicolas Caloiero, pardon. Qui vote pour Nico? Michel Zoncaro. Bravo. Le match a été truqué de gueule, frère. Pourquoi ils ont si fort en plus? Putain. Éducation de merde. Aucun honneur. Vous êtes content de ça? Vous êtes content de ça? C'est pour lui. Moi, je dis, gars, je l'accepte. Je l'accepte, mais franchement. C'est pas mérité. Franchement, c'est mérité ou pas? Non, je pense pas, c'est pas mérité, c'est la politique. C'est mérité ou pas? C'est mérité? C'est mérité. Vas-y, toi, Allez, les mérites sont pas, les gars, c'est mérité. C'est mérité, ça. Je te jure, c'est mérité. Tu voulais mettre moi? C'est mérité, frère. Tu voulais mettre moi? C'est mérité ou pas? Sérieux? Franchement, c'est pas mérité. Un joueur de foot, c'est vrai. Merci. C'est mérité, toi? Tu penses que c'est mérité? T'as pas été bon, mais il y a pire que toi.
Mais t'as pas gars, vous êtes sérieux, c'est mérité. Moi, je trouve que c'est entièrement mérité. Lui, la trop de seuf. Ah, lui, c'est mérité ou pas? Franchement, si on devait en nominer, on devrait en nominer 14. Mais, 15. Mais lui, mais sérieux, moi devant? Non, non. Je mettrais. Je vois pas. Moi, j'accepte. Mais. Non, mais après, c'est pas ton meilleur entraînement, toi. C'est pas mon meilleur, mais c'est pas mon pire. Et j'ai pas été le pire, je pense. C'est ça qui nous inquiète, c'est que c'est pas ton pire. C'est vrai? Ah! Ah, je me vois là, vas-y, enlève ça, on enlève. Ah, il a dit c'est mérité. Non, écoute le sale, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Ouais. C'est mérité, c'est mérité ou pas? Mais c'est mérité! Mais c'est lui! C'est mérité ça? C'est moi, ce qui paraît! Non, c'est mérité ou pas? Non, mais sérieux, c'est mérité. Non, Chico, il s'est passé quoi, s'il te plaît? Il s'est passé quoi en coulisses? Je suis supérieur. Mais est-ce que c'est mérité? Ah, venant toi, personnellement. En vrai de vrai, ce qui s'est passé. Attends, parce que. Mais frère, t'as pas touché la balle une seule fois? J'ai touché, non. Ah, ça c'est ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, on savait pas qui vous pouvait éliminer. Du coup, vous avez truqué le truc. On n'a pas truqué le truc, c'était... ça nous titillait un petit peu, ça nous démangeait. Mais tu voulais, parce que je fais du YouTube. Ouais, ça, moi, j'accepte. Parce que je sais que j'ai pas été plus nul, mais je ferai mieux. Ça veut dire, ce week-end, je vais marquer. Vas-y, un week-end, ça. Ce week-end, mon gâté. Bon, vas-y, merci pour ce trucage. Je suis connu, je crois. Vas-y, ça. Merci pour le truc truqué. On se dit quand? À quand? À demain? Après-demain? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais. À samedi. Dimanche? Non, mais à samedi. Demain, il y a le truc avec. À samedi. Vas-y, à samedi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Épisode 9. JDM. Trois sarcours. Pas de claque aujourd'hui. On l'attendait. J'ai oublié de dire un truc. C'est tardivement. Ouais. Bon, à l'aller contre Sarrebourg, match compliqué hein. Chez eux. Je crois qu'on a marqué à la dernière minute. Mika, merci pour ton but. On a gagné 2-1. Merci pour être match particulier pour Adrien, tu te rappelles? Discours de fou furieux. Et aujourd'hui, c'est un match particulier pour moi. On a compris que tu venais de là-bas tranquille. Bon. T'as vu, il aime trop dire ça lui. Thibaut aussi à son frère. Thibaut aussi. Thibaut va jouer contre frère d'ailleurs. Je lui ai fait les protèges à son frère. Donc Thibaut, tu vas jouer contre NV Sport. D'ailleurs, Thibaut, il a pas pris de protège. T'as pris des protèges toi? Ça va, tête de honte, t'as un rat. Eh, les gars, franchement, c'est pas une dinguerie. Je monte un petit truc NV Sport. C'est la dernière fois qu'il freine comme ça, lui. Je lui passe des chaussures, tout ça. Puma et tout. Toi, tu prends même pas de paire. C'est Puma qui m'ont donné. Ah, c'est Puma qui t'a donné en plus. Ok, donc les gars, sachez que pour tous les résultats des concours, il faut me suivre sur les réseaux. Hein. Pas comme lui, regardez, oh, je vous jure, hein, je lui ai passé mon les trucs Puma, je vous jure, il me suit pas sur les réseaux. Il me suit pas sur Insta. Mais t'es un vrai mytho, toi. La tête de homme, tu me suis pas sur Insta. Non, c'est pas vrai. Mais c'est super, ça. Regardez, BTN17, c'est Ibra, d'ailleurs, allez tous vous abonner. Non, je rigole, vous abonnez pas, il s'est pas abonné à moi. Oh. Je vais dans les suivis, je vous jure. Y'a pas mon nom. Et moi je te passe des paires. C'est quoi ton Insta toi? C'est Noévin66. D'ailleurs il s'affiche juste ici. Je t'envoie des messages sur Insta. Il m'envoie des messages mais il me suit pas. Regardez ses abonnements. Je te jure tu me suis pas. Ouais. Comme les meufs, tu m'envoies des messages mais tu me suis pas. Bah c'est ça mon pote. Bref. Nous on va donner le. Viens, on fait le tirage au sort là. Pendant que tu roules. C'est ce que je vais faire. Je vais aller carrément sur la vidéo en direct. Là, je suis dans les commentaires. Et tu me dis stop dès que tu veux. Dis-moi stop. À partir de quand? Là maintenant. Stop. Donc, Gaëtan Camille. Merde, c'est celle qui a commandé. Bon bah, Gaëtan Camille, bah t'as gagné une paire, hein. Je crois que je vais pas demander l'argent, je crois. Bah, je crois. Non, on va recommencer. Bon, on va faire le tirage au sort. Non, du coup bah Gaëtan Camille, voilà c'est règle. Hein. Même si t'as commandé, t'as gagné une paire gratuite. Donc viens en message privé sur Insta. Et voilà. Et puis d'ailleurs n'oubliez pas de suivre NV Sport. Et aussi on va faire un jeu concours, mais après le match. La question elle sera après le match parce que sinon vous allez pas rester, on vous connaît. Dis-leur. C'est quoi la question? Je sais pas encore, mais on la donnera après le match.
Mais surtout, il faut être, faut pas oublier qu'il faut être abonné à mon Insta, à mon YouTube et bien sûr le petit commentaire de la réponse. Donc la question on la pose après le match et nous on se retrouve sur le terrain. Il faut s'abonner aussi. Oui, mais je viens de le dire. Je viens de à la chaîne. Ouais, à la chaîne. À notre chaîne. Faut s'abonner à notre chaîne. Bref, en plus, ça y est, on a eu dans les coulisses la. Comment dire les vrais dessous du flop de la semaine, de cette semaine. Cette petite magouille qui s'est passée dans les vestiaires. Je me rappelle pas de ça, moi. D'ailleurs, Pignaton, là, tu te rappelles pas. Hop là, hop, caméra cachée d'avant-hier. Allez hop. Ah ouais. Ils ont dit quoi? Genre, quand nous on mettait le but, ils ont dit ouais, on met Vince. Ouais. Et t'en penses quoi du premier jeu où j'ai fait 16 passes D et j'ai mis presque une retournée là? Voilà. Et, on en plus, est d'accord. Toi, t'étais sur mon côté. Ça et veut dire, t'es passé une seule fois. Attends, lui il fait quoi ici, frère? Et t'as vu comment j'ai marqué? J'étais pas trop chaud? Est-ce que j'étais trop chaud? Ouais, ça va. Eh, mais je mérite pas du tout, on est d'accord. Ouais. Mais tu m'as passé une seule fois? Non, en vrai, c'est jeu, sans calme, sans rien, tu m'as passé une seule fois? Non. D'accord. Bah parce que moi je t'ai dit Mathéo il sécurisait le... Les gars c'est dans la boîte, c'est dans la boîte, on a vu que c'était truqué. C'est dans ces films depuis tout à l'heure gros. Ils ont truqué. Bref, on va retrouver le protagoniste de cette action sur le terrain. On va voir si le terrain est bon parce que là il commence à pleuvoir un petit peu, il fait pas très beau. C'est une clé, là. Qui ça? T'as vu, c'est Pignac, c'est à cause de Pignac que je suis flop de la semaine. Mais moi, je prends ça positivement, ça va me porter que du bien. Et là, on arrive au stade. Du coup, on se retrouve sur le terrain pour voir si le terrain est en adéquation, comme d'habitude, avec notre jeu. Il n'y a pas un. Là, sur l'action, c'est du vraiment, c'est du. T'inquiète, regarde. C'est moi. Petit anniversaire du petit rugby. Anniversaire du NB pour moi. Et puis, souvent, le défenseur, t'as vu. Les adversaires avant le match. Bon anniversaire. Oh, attends, je me rappelle de toi là-bas, toi. Oh, magnifique. Ça va, je me rappelle. Je sors les 18 ans aujourd'hui. Il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Je suis avec les Ubater ou quoi? Il n'y a pas pénalty. Attends, viens. Il n'y a pas pénalty, frère. Il y a pénalty, frère. On va remettre la vidéo, il y a pénalty. Fais une petite dédicace à Georges. Georges Mikotadze. Il a marqué double. Comme la semaine dernière. Avant le match, on offre des cadeaux même à tes joueurs. Il a pensé à son sac. Sur le terrain, il n'y aura pas de cadeaux. Et ça, ça joue, c'est comment, regarde. Comment, frérot? Si un mec il doit mettre un coup de pompon, mettez-le sur la personne. Comment, frérot? Comment, toi aussi? Tu joues quel poste, là? Ça te regarde pas. Toi, tu joues quel poste? Non, je t'inquiète, je serais pas sur ton côté. C'est vrai, j'ai encore dit, il y a un pénalty. Ouais, il y a un pénalty. Frère, même toi, t'as rigolé. Tu joues bien. Il y a un pénalty. La pub, mais c'est bon, il y a déjà la pub. Je suis pas emprunté. Pour NV Sport. NV Sport, frère, c'est moi. C'est les protés. Tu montes le proté. C'est pour NV Sport. Oh, les petits jumeaux, ils jouent contre. NV Sport, c'est une marque de fou. Trop bonne qualité. Ah, merci, tu vois, c'est un bon. Vas-y, on se retrouve pour le match. Oh, on va lâcher que des tacs pour le match. Oui, 1066. Et que je suis nul, je vais le prendre dans les dents à la mi-temps. Ouais, faux. Et on va. C'est bon, on a eu, j'ai eu sous caméra cachée la vérité sur ce qui s'est passé mercredi. Cérémonie des feux. Vengeance personnelle. Vengeance, clairement. Vengeance personnelle vengeance. Parce que j'avais fait un bon entraînement. Non, vengeance parce que la semaine dernière, j'étais le meilleur à l'entraînement. On m'a dit que j'étais le flop. Oh, le menteur. Il mettait pas un pied devant l'autre. Alors, c'était sûr que. En fait, il faut savoir que le club, c'est moi qui l'a créé. Et que du coup, à partir du moment où il me met flop, et ben, bah, ça s'est retourné contre moi. C'est sûr que la semaine d'après. Alors que j'ai mis retourné mercredi et tout, tu m'as mis flop quand même. Je pense que t'étais pas le plus nul. T'es peut-être le deuxième ou troisième plus nul. Il est fou. Mais tu sais, là, on a quand même. Attends, s'il te plaît, on parle entre flop. Ça, on parle entre flop nous. Là sur le côté gauche c'est double flop des deux dernières semaines. Normalement tout va se passer du côté droit du coup. Du coup, soit c'est qui tout double, soit on fait un match éclaté, soit on est trop fort. Sinon si vous voyez à la 50e c'est que je suis dehors, normalement je suis lagué. Mais par hasard si tu veux venir à gauche, à droite c'est un plaisir. Non mais frère, ça se croit. Écoute, lui c'est pas laisse tomber, il veut tout droit. Vas-y, bon, vas-y, viens, on se retrouve après le match. C'est un V6. C'est un bon terrain pas? Tu trouves que j'ai pas mal de terrain? Ouais, c'est bon. C'est ton jardin. Oui, c'est le jardin ici. C'est le garden. Toi, c'est le garden le samedi soir, moi c'est le garden ici. On se retrouve pour le match. Hein.
match. Bracadabra pétard. Coup de canon. Il a marqué mon gâté, ça fait longtemps. Depuis le premier épisode, hein. Hey, je te jure, je peux demander à Mika, nous on est derrière, et je dis à Mika, Ibra le met, prend la balle, il marque. Je te jure, Ibra, j'avais confiance. Hier, on a fait quoi hier? On a travaillé que ça. Mais je leur dis, il faut des coups francs, il faut travailler. Bon, en vrai, bonne victoire, 4-1. Même si on a relâché en deuxième mi-temps, on s'est vraiment fait chier. T'as vu comment il pleurait ou quoi? Ouais, on a pris une sacrée averse et on n'était pas dedans. Oh, mon maillot était tout lourd. Oh, je te jure, bref, on n'était pas dedans deuxième mi-temps. Mais première mi-temps, c'est sérieux. T'as vu les bijoux que j'ai lâchés? Du gauche, du droit. Ah, du gauche, sur Jaquel. Ça fait juste ici. Et la galette, la frangipane là, que j'ai. La frangipane que j'ai offert à Poissigno sur le penalty. Et la passe 2 aussi, Calo. Calo, d'ailleurs, t'es un gros crevard, remets-la moi. Ah ouais, c'est vrai. Tu lui mets les contrôles, il se retourne, là, il tient. En plus, le deuxième là, Pienne, ils ont fait match nul. Du coup, là, vas-y. Contre eux ? Quand la dans deux semaines. Pienne a fait match nul, donc on est potentiellement à 14 points. Mais faut savoir aussi que ils sont 3 derrière nous à égalité, non ? Pienne, APM et. Et Villeru, non? Bref, on verra bien. Là, j'affiche le classement. J'affiche le classement en temps et en heure. Voilà, on est soit à 14 points, soit encore à 12 points, je sais pas. Donc, c'est cool. Là, on a 2 semaines. On va essayer de sortir une grosse vidéo entre les 2 semaines. On va essayer. Hein. On va essayer d'affronter quelqu'un. D'ailleurs, mettez en commentaire des gens qu'on peut affronter. De joueurs de R1, et on va faire une vidéo contre un pro, peut-être. Donc mettez en commentaire des bons joueurs, des bons gardiens de la région de Moselle. Des mecs qui ont une bonne qualité de... Qui peuvent mettre des pétards comme ce but d'Ibra, ici. Une bonne qualité de frappe, avec plaisir. Du coup, mettez les noms en commentaire et voilà. Camille, je crois que c'était elle qui a gagné le tirage au sort. Ouais. Donc t'as gagné une paire de protège tibia de la part de NV Sport. Bravo. Bravo. Bravo à toi, on peut l'applaudir. Et non, faites jamais ça quand vous conduisez, les gars. Tu vois, il est juste... Quand t'es un pilote, tu peux tout faire. Ouais, bref. Regarde, tu peux faire ça. Bref, vas-y, viens. Oh les clignotants, les rétros. Tu peux pas faire ça, mon pote. On va refaire gagner des protèges tibia, bro. Mais non. Encore. Je vais se gâter, hein. C'est grâce à qui, ça? C'est grâce à toi. Non, NV Sport. NV Sport. Mais c'est qui, NV Sport? C'est WAP. Bref, on va faire gagner des nouveaux protèges et par rapport. Du coup, à la semaine dernière, enfin l'épisode dernier, la question c'est qui a été le flop de la semaine. La semaine dernière. Parce qu'il a essayé de m'avoir cette semaine. Tu dis, oh, faut qu'on fasse quoi? On se met face à face. Ah d'ailleurs, attends, dans la vidéo, la dernière vidéo, t'as pas fait la célébration. Ouais, parce qu'il y avait juré. C'est... Frère, tu vois, regarde, les contacts chez Puma, ils vont me dire quoi? Ils vont me dire, ouais, on lui offre une mais paire, il fait pas ça. J'ai fait ça. Ouais, il a fait après, je te jure, il a fait. Si tu regardes la vidéo, renvoie des paires et il a marqué, il a fait 42,5. 42,5. Ouais, ouais. 39. Ouais. Il est de gosse. 37. régale tout le monde. Bref, c'était une bonne semaine de boulot. On se retrouve la semaine prochaine. Pour une vidéo surprise. Pas pour une semaine de boulot cette fois-ci. Exactement. Faudra trouver un nom aussi. Bon, du coup, à la semaine prochaine. Swipe up.